Deux minutes pour comprendre. Aujourd'hui, les piqûres d'insectes, c'est l'été. Les petites bébêtes vont s'en donner à cœur joie et vont nous piquer. Pourquoi les piqûres nous démangent? C'est la question que je vais poser à Jérémy Guy. Jérémy Guy, vous êtes infirmier pédiatrique en réanimation. Pourquoi ça nous démange? Et quand ça nous démange, bien sûr, on se gratte. Alors, pour comprendre pourquoi ça nous démange, il faut qu'on parle un petit peu de l'insecte en lui-même, même si c'est pas du tout ma spécialité. Mais en gros, le moustique va injecter au moment de la piqûre un espèce de produit pour diluer le sang, pour le rendre plus liquide, pour qu'il puisse l'aspirer comme il veut. Et en fait, ce liquide, notre organisme va réagir avec. En général, le corps humain, il n'aime pas trop qu'on lui injecte des choses qu'il ne connaît pas. Et donc, il va y avoir une réaction inflammatoire locale avec une sécrétion de messagers chimiques vraiment au niveau de la piqûre qui s'appelle l'histamine. Et en fait, ces petits messagers chimiques, ils vont aller chatouiller les petits capteurs qu'on a au niveau de la peau, qui vont informer notre hypothalamus de cette sensation que ça nous démange. Et donc, pourquoi plus on se gratte et plus ça nous démange? Et ben parce qu'en fait, l'action mécanique au niveau de la lésion va créer ce qu'on appelle une douleur. Et tout de suite, ça va faire mal quand on va gratter dans un premier temps. Et ça va sécréter un produit qui va dans un premier temps soulager la douleur, mais qui va en même temps mimer la sensation de se gratter. Donc en fait, le fait de se gratter, ça va diminuer de façon très, très courte l'envie de se gratter, mais derrière, ça va nous gratter encore plus parce que ça va augmenter ce signal qui est envoyé à notre cerveau. Donc en fait, quand on dit qu'il ne faut pas gratter un bouton de moustique, bah, c'est vrai parce que ça apporte rien à part nous gratter encore plus après. Voilà, on le dit, mais ce n'est pas toujours facile. Qu'est-ce qu'il faut faire pour apaiser en quelques secondes? Du froid, comme toute réaction inflammatoire, du froid, ça peut soulager. Et après, si on laisse le bouton tranquille, et bien de lui-même, la réaction inflammatoire va s'arrêter. Voilà, attention aux moustiques et bon été.